بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الفتنة إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à tous, que ce soit vous, j'espère que vous avez bien le fond de l'âme, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire les ablutions al-Wudu Hadith al-Qudsi. Ça a été dit dans le Coran, dans la Sourate al-Ma'ida, verset 6, Ayatul Wudu, verset des ablutions. A'oudhu billahi minash shaitani rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. En français de la traduction approximative, ô les croyants, lorsque vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. C'est une petite ablution al-Wudu. Et si vous êtes pollué du noob, alors purifiez-vous par un bain, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du bain, ou il a fait ses besoins, ou si vous avez couché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Ça, c'est At-Tayammum, l'ablution sèche. Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Voici un hadith al-Qudsi qui parle des ablutions. An-Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul يقوم الرجل من أمتي من الليل وعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فإذا وضأ يديه انحلت عقدة وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا وعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. حديث صحيح رواه أحمد وزوائد بن حبان. أفرسي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الله لقريه rapporta qu'il avait entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « L'homme parmi ma communauté se lève la nuit pour se soigner par la purification tout en ayant sur lui des mains. Lorsqu'il fait ses ablutions, un nœud se dénoue. Lorsqu'il se lave le visage, un autre nœud se dénoue. Lorsqu'il essuie sa tête, un autre nœud se dénoue. Lorsqu'il se lave les pieds, un autre nœud se dénoue. Puis Allah Azza wa Jal dit à ceux qui sont derrière le voile des anges, regarde à mon serviteur comment il se soigne par lui-même, que demande mon fidèle ce qu'il veut, et ça sera le cas. Et donc ça sera à lui. C'est quoi une ablution?
L'ave du sang est une purification rituelle de certaines parties du corps avant certains actes religieux. L'eau est un symbole de purification présent dans de nombreuses grandes religions. Dans l'islam, l'eau est utilisée pour purifier le musulman au cours des ablutions qui précèdent les prières ou salats telles que prévues par le Coran et la Sunna. Ablution de l'islam. L'islam distingue trois types d'ablutions. Les grandes ablutions, ghusl, les petites ablutions, wudu, et l'ablution sèche, tayammum. Ces ablutions visent à se mettre dans un état de pureté rituelle. Les petites ablutions. Al-Wudu. Le wudu est une prérequis obligatoire avant de prier. Le wudu doit être pratiqué obligatoirement par un musulman avant la circumambulation ou tawaf autour de la Kaaba, aussi avant toucher les mots du Coran, où la preuve en cela réside dans la sourate 56 Al-Waqi'a, l'événement verset 77 à 79. Où Allah dit, et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. A'oudou billahi minash shaytanir rajim, innahu la Qur'anun karim. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Et c'est certainement au Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Les grandes ablutions, ghusl. Le ghusl consiste en un bain rituel. Il est exigé pour les femmes après les menstrues ou les mochis, et aussi exigé aussi bien pour les hommes que pour les femmes après un rapport sexuel qu'il est éjaculation ou non. Il est aussi exigé après éjaculation due au désir, même suscité par l'imagination ou pendant le rêve. Il est aussi obligatoire après avoir touché un cadavre, tout le corps sauf les cheveux humains, qui a été froid et n'ayant déjà subi les trois d'un rituel prescrit du mort. Enfin, il est aussi exigé pour les nouveaux musulmans. Il est recommandé de le faire pour la prière du vendredi, les prières de l'Aïd, bien avant de revêtir l'ihram. Et c'est quoi Al-Ihram? Al-Ihram est un terme lié au Hajj. Tout au long du pèlerinage, le pèlerin doit être en état d'Ihram. État de consécration rituelle, sacralisation, vêtements de pèlerinage. Al-Ihram symbolise l'entrée dans l'univers sacré. Pour cela, le pèlerin doit se soumettre à une purification physique complète dans l'ablution et à une certaine hygiène de vie. Les trois ablutions du décédé. Tous les musulmans qui décèdent doivent faire trois ablutions avant l'enterrement. L'eau avec cidre, feuille de jujubier, l'eau pure, l'eau du camphre, kafour. Les ablutions sèches, at-tayammum. En l'absence de point d'eau, ou lorsque le fidèle ne doit pas entrer en contact avec de l'eau pour des raisons médicales, celui-ci peut accomplir les ablutions sèches, tayammum, en ayant recours à une matière minérale. Les actes obligatoires des ablutions. Mettre l'intention dans son cœur et ne pas la formuler à voix haute. Quant à celui qui fait ses ablutions uniquement pour se rafraîchir ou pour se nettoyer, alors elles ne le rendront pas pur pour accomplir la prière. Le lavage des mains jusqu'au poignet, le lavage du visage, le rinçage de la bouche et le fait d'aspirer de l'eau dans le nez en font partie ainsi que du visage. Le lavage des mains jusqu'aux avant-bras inclus, essuyage de la tête entière ainsi que des oreilles, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles incluses,
l'ordre à respecter entre les différentes parties du corps, la continuité dans le lavage des différentes parties du corps de telle sorte à ne pas laisser un membre sécher avant de passer au suivant. Comme promis, je vais vous dire comment faire les ablutions. Comment faire les ablutions? Il faut avoir l'intention de la faire sérieusement. Tu dis Bismillah, Rahman Rahim. Il faut laver les mains 3 fois, rincer la bouche 3 fois, aspirer de l'eau dans le nez 3 fois, laver le visage 3 fois, laver les avant-bras 3 fois, essuyer les cheveux entiers 1 fois, essuyer les oreilles 1 fois, et laver les pieds 3 fois. Maintenant en arabe. Aliyadan talafa marot, al-fam talaf marot, al-anf talaf marot, al-wajh talaf marot, al-dira'ayn talaf marot, al-ra's مرات واحدة، الأذنان مرات واحدة، الرجلين 3 مرات. Et nous terminons par أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ce qui signifie j'accepte qu'il n'y a de Dieu que Allah seul sans associé, et que Muhammad est le messager d'Allah. Comme ceci. Et si vous le faites, alors il faut le faire sérieusement. Il faut le faire avant chaque salat. Si vous n'êtes pas purifié. Qu'Allah fait que nous faisons les ablutions sérieusement par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je vous dis à bientôt et à la prochaine, incha'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.